Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Dites-moi si c'est le cas. J'ai enfin trouvé une solution pour accueillir les gens en direct, que tout le monde entende leur voix, mais sans qu'il y ait de potentiels trolls qui me niquent ma chaîne. Donc ça, c'est déjà... Donc ça, c'est déjà un chouette. Un chouette progrès, on va dire ça comme ça. Désolé, je bug un peu parce que j'ai des y a quelques problèmes techniques qui finissent en même temps, mais ça va passer. Ça devrait aller. Parfait. Bonsoir à toi, Pascal, Marie-Christine, Laetitia. Si vous souhaitez participer et poser ta question et poser votre question, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est normalement qui est pas là. C'est bien. Alors, je le mets sur le chat. Comme ça, vous pouvez cliquer dessus et me poser votre question. Tout de suite, j'accueille Laetitia. Allô, allô, Laetitia? Faut activer ton micro, Laetitia, parce que je l'entends. Il est. Allô? Allô? Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends, c'est bon. L'émission a commencé? Oui, l'émission a commencé. Je vais poser ma question alors. Pourquoi est-ce que j'ai échoué au dernier concours que j'ai passé? Un concours de quoi? Dernier concours que j'ai passé. Un concours de quoi? Enseignement. D'accord. Alors. Lorsque tu poses la question, derrière, il y a une forme de résistance, comme si tu ne voulais pas vraiment, comme s'il y a quelque chose qui te déplaît fortement, comme s'il y avait quelque chose, en fait, tout le tableau semble idyllique, mais... Il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, qui n'est pas ajusté et qui te fait quelque part te retirer de ce choix d'aller vers tel ou tel, d'aller vers l'enseignement pour le coup pour toi. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour toi? L'essentiel, c'est pas tant qu'est-ce que le c'est pas tant pourquoi j'ai échoué, mais qu'est-ce que tu veux faire en fait? Elle est là la question. Parce que des raisons pour lesquelles tu as échoué, il peut y en avoir 36 000. Et c'est peut-être une notion de compétence, ou peut-être que c'est pas du tout une notion de compétence. L'essentiel, c'est qu'est-ce que tu veux et est-ce que tu es prête à te changer pour évoluer? À changer ton point de vue, à changer tes espérances, ton espoir, à changer, comment je pourrais dire ça? À changer ce qui te. J'ai un truc dans lui. À changer ce qui te. Ce à quoi tu tiens, en fait. J'ai vraiment l'impression que le sujet n'est pas là, les tiens. Quand tu D'accord. dis pourquoi. J'ai loupé mon concours. Moi, ça me renvoie derrière, mais en fait, qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie? D'accord. Donc, on est plus sur des désirs loupés, sur des désirs manqués, comme si tu faisais exprès de louper le but, l'objectif, que tu faisais exprès de... Ouais, c'est ça, il y a un côté, je loupe le panier à 3 points. Parce que je veux pas vraiment, parce que les conséquences de marquer ce panier, donc d'aller vers la réussite, est compliquée pour moi, socialement parlant. Donc il est beaucoup plus question de quels sont tes désirs et à quel point tu es prête à les mettre en place, à les réaliser, même si ces désirs ne correspondent pas aux autres personnes, ne correspondent pas à
ce que ta famille attend de toi ne se correspond pas à l'image que les autres, que tes amis ont de toi, que tes collègues ont de toi. D'accord, ok. Il y a autre chose, oui, il y a autre chose. Tu te caches. Il y a une notion, tu t'investis pas. Je suis en train de toucher une énergie en toi qui ne s'investit pas vraiment dans tes désirs. Qu'un désir te renvoie forcément à le fait de te rendre compte que tu es un être individuel et ça fait partie d'un des freins chez toi. Donc l'essentiel, c'est, mais en fait, qu'est-ce que tu fais de tes désirs et est-ce que tu es prête à aller jusqu'au bout de tes désirs? Même si ça va forcément à un moment donné contrevenir à le regard de la société, de ta famille, de tes amis, mais même de toi-même. En fait, tu D'accord, dis pas tout. Il y a un truc que tu dis pas dans l'histoire, il y a un facteur que tu dis pas dans l'histoire parce que soit tu n'en as pas conscience, soit tu veux pas le dire, soit tu veux pas te l'avouer. d'accord. Il y a une espèce de. Tu montres, en fait, si je prends ce que tu poses dans notre communication, donc comme énergie inconsciente, tu me montres une partie, mais tu me caches une autre. Et tu as ce fonctionnement-là avec dans ta relation au monde, si tu veux. Et en fait. Si je relis les deux infos, c'est même très logique. C'est-à-dire que un métier, c'est ce que tu vas montrer de toi aux autres. Et toi, tu veux montrer de toi que tu es quelqu'un d'attentive, que tu es quelqu'un de serviable, que tu es quelqu'un qui va savoir s'occuper des autres, qui va savoir enseigner, qui va faire preuve, pardon, de pédagogie. Et tu caches tout le reste. Tu te caches à toi-même déjà tout le reste. Tout ce qui n'est pas, on va dire, bien sous tout rapport. Et c'est ça que je suis en train de toucher chez toi. Tu voudrais cacher tes aspérités. Et le truc, c'est que cacher ses aspérités, c'est cacher qui tu es. Te cacher à toi-même qui tu es. C'est te cacher à toi-même que quoi d'ailleurs chez toi? Que tu es en colère. Qu'il y a quelque chose qui souhaiterait changer profondément en toi, mais que tu as du mal que tu as du mal à laisser place, pardon, à ce truc qui souhaite s'écrouler, qui souhaite se transformer, qui souhaite changer. Toutes ces questions de désir. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et ça, c'est une vraie question, hein. Qu'est-ce que tu veux vraiment, Laetitia? Dans ma vie. C'est quoi? Qu'est-ce qui pulse dans tes veines? Qu'est-ce qui fait fureur à l'intérieur de toi? Et c'est là où ça te mène. D'accord. C'est sûr que ça, c'était pas ma passion après. Ce qui a besoin d'être vu en toi, c'est justement ce côté, on pourrait dire passionnel, ce côté feu, ce côté j'ai vraiment envie. Tu fais les choses par défaut. Oui, c'est vrai, parce que en fait, même au début, en fait, au moment où j'ai dû faire mon choix de cursus, j'étais dépressive. Donc j'ai choisi parce qu'il fallait choisir, mais je n'ai pas pris le temps vraiment de réfléchir et tout. Il fallait partir dans une direction. C'est vrai que je ne me suis pas sentie passionnée ni rien. Et je me suis dit peut-être que l'échec d'aujourd'hui me renvoie à ça, en fait. Regarde au niveau de tes désirs. Qu'est-ce qui fait se mouvoir?
Qu'est-ce qui fait ton corps se mouvoir? Qu'est-ce qui fait que ton corps bouge? Qu'est-ce qui fait que il y a telle vraiment des envies simples et basiques? Cette énergie qui peut transformer l'extérieur. Comme le feu du forgeron qui est capable de fondre le métal, de fondre le métal, pardon, pour le plier, pour le transformer. Pour en changer la forme. Il y a quelque chose qui n'est pas totalement touché encore. Tu rêves de détruire. Il y a une souffrance chez toi. C'est ça que je suis en train de toucher. Souffrance à la vie. Souffrance de vivre, si tu veux. Incompréhension de vivre. Souffrance de vivre. Qui fait que tu rentres dans une autodestruction à l'intérieur de toi. Et tant, j'ai envie de te dire de manière plus simple, tant que tu restes dans une volonté de compréhension intellectuelle et que tu ne vas pas t'expérimenter, autant ne rien faire. Explore tes désirs, explore qui tu es, explore ton individualité. Regarde concrètement qu'est-ce que ça fait d'être Laetitia. Il s'agit d'aller te rencontrer à l'intérieur, d'aller rencontrer cette pulsion de destruction qui repose sur cette énergie de souffrance de vivre, cette incompréhension de pourquoi j'existe. Et là, je suis en train de toucher de la tristesse, ou plutôt une forme de perdition. Tu veux pas devoir quelque chose aux autres personnes, tu ne veux pas avoir un lien avec d'autres personnes, sauf que la vie fonctionne en lien. On ne peut pas ne pas être en lien. On ne peut pas ne pas s'aider les uns les autres. Et ce n'est pas une aide type je vais t'aider consciemment parce que je vois que tu galères. Ce que tu n'arrives pas à voir de toi, c'est le monde matériel, c'est la matière qui te le montre. Et à quel point tu es effrayé de toi-même? À quel point tu vas dans une. Comment je pourrais dire ça? Une quête extérieure, sans cesse à l'extérieur, sans cesse vouloir avoir des buts, des relations. Tu ne regardes que la surface de la matière. Tu ne regardes que la surface de ta propre vie. Rencontre-toi à l'intérieur. Rencontre ce que tu te caches à toi-même. Et comment on fait ça? Bah à la fois en essayant d'aller à l'intérieur, mais aussi en acceptant le jeu avec la matière, le jeu avec les gens, le jeu avec la société. Est-ce que ça dit là, c'est que tu as peur d'être déçu? Peur d'être déçu, pas des autres, hein, pas des relations. La crainte de te décevoir toi-même parce que tu n'y arriverais pas. Et donc tu crées un double échec quelque part. L'échec de ne pas réussir à concrétiser ce désir d'être enseignante et à la fois l'échec de ne pas arriver à t'enraciner, à plonger dans tes réels désirs. Donc il va vraiment falloir aller nettoyer qu'est-ce qui voile tes désirs. Qu'est-ce qui voile ce feu du désir? Et donc, un des voiles, c'est le jugement de soi-même. Tu te juges, c'est comme si tu étais un robot, genre Robocop, en mode, tu analyses tous tes faits, tes gestes, tes paroles, tes choix.
tes attitudes, tout, tes pensées, tes émotions, et tu fais passer ça dans un logiciel, ta grille de lecture personnelle, et dès que c'est loupé de 0,0001%, eh ben, tu te juges comme étant inapte, comme étant à jeter à la poubelle. Et c'est pour ça que tu loupes tes vrais désirs. Parce que, alors, c'est pas pour ça que tu loupes tes vrais désirs. C'est pour ça que tu as la pression d'aller vers tes désirs et en même temps, toucher du doigt tes désirs égale la fin du jeu. Atteindre le but de je comble un désir qui me va, qui je suis, qui représente qui je suis, ça veut dire la fin du chemin. Et là, ce que je suis en train de toucher, c'est la peur de disparaître. La peur de ne plus avoir d'objectif, de but, de une quête, une vie. Et c'est pour ça que tu te mets une pression monstre simultanément à essayer de trouver tes désirs et en même temps que tu as une peur panique d'arriver à finir tes désirs, à les compléter totalement. Parce que si tu les complètes, comme je l'ai dit à l'instant, tu meurs. C'est là une peur primitive de disparaître totalement. Est-ce que jusque-là, ça te parle? Est-ce qu'il y a des choses qui te parlent? Est-ce qu'il y a des choses qui te parlent moins? Oui, je n'ai pas compris quand tu as dit enlever le voile et assurer le désir, et tu as parlé du désir transcendant, parce que désir, c'est un grand mot quand même. Bah, un désir, c'est autant je veux voyager. Un désir, c'est je veux cette glace. Un désir, c'est je ne veux pas me lever à 7 heures demain matin. Enfin, la vie est constituée de désirs, grands ou petits. Après, c'est vrai que quand j'ai eu les résultats et tout, j'ai pas eu, j'étais triste, mais en même temps, j'étais soulagée. Donc, va sur ton vrai désir. Chemine vers tes désirs les plus véritables, ceux qui te vont et qui sont sur mesure pour toi, pas pour les autres, pas pour ta famille, pas pour la société, pour toi. D'accord. Il n'y a rien de plus simple et rien de plus puissant. Simple. Parce que c'est pour toi. Tu oublies les autres. À la fois dans l'origine, donc d'où vient ce désir, bah, c'est pour toi. Et quelles sont les conséquences de ce désir? Peu importe, même si ça détruit le monde, fais-le, parce que c'est adapté à toi, parce que c'est sur mesure pour toi et que ça va forcément être ton bonheur. D'accord, ok. Parce que j'ai pas envie de refaire un an comme ça. Je me dis, c'est fatigant en fait les préparations. Ça me donne T'as pas envie l'impression de? de refaire un an de préparation encore de concours, parce que c'est Ah oui, fatigant. ouais. Ça me donne l'impression de vivre que pour ça et quelque part de ne pas avoir de vie en fait. Et c'est Mais t'as triste. peur de vivre, donc c'est normal que tu vas vers des choix comme ça. Non, mais c'est pas agréable d'avoir l'impression de ma vie autour de ça en fait, alors qu'il y a d'autres trucs. Eh ben, va peut-être vers les autres trucs. Oui, mais Réalise les autres trucs. enfin, ma passion, c'est la musique, mais ça me demande de tout recommencer. Alors, t'es pas. Alors, des désirs, tu en as plein. Et des désirs, tu chemines, tu voyages sur le chemin de tes désirs simultanément. T'es pas obligé de faire un désir, d'arriver à le terminer ou d'échouer. Et pour passer à un autre désir, tu peux à la fois manger italien et manger japonais. Il n'y a rien qui te. Il n'y a rien qui te limite en fait. C'est pour ça que je te dis que tu joues contre toi-même. De toute façon, tu pourras réécouter l'entretien. Mais à la fois, tu es sur des désirs qui ont pour but de contenter l'extérieur. Donc là, je suis en train de toucher une énergie collective, familiale, et simultanément. Tu as peur de contenter tes véritables désirs parce que, ok,
ça touche une notion de sexualité chez toi. Pour toi, un désir, c'est forcément quelque chose d'intime, quelque chose qui se cache, quelque chose que personne d'autre ne voit que toi. Et résultat, tu réalises pas tes désirs à l'extérieur parce que la matière te demande, mais en fait, prends un désir informe, prends la couleur de ton désir, la pâte à modeler de ton désir intérieur et fais-en quelque chose, matériellement, socialement parlant. Et c'est ça dont tu as peur. C'est assume de A à Z l'entièreté de qui tu es et qui tu es se manifeste par ce désir. Et pour ça, je peux te donner un petit jeu très facile et très simple à faire. Eh ben, tu notes tous les désirs que tu as de A à Z, des plus anodins au plus grand désir, au désir le plus irréalisable que tu puisses avoir en tête. Tu les notes tous, sans distinction, sans jugement, sans grille de lecture, sans Ah, ça, j'y arriverai, Ah, ça, j'y arriverai pas. Et tu. C'était quoi la deuxième partie? Attends. À partir du moment où tu les notes. Ah, c'est con si ça ne me revient pas là. C'était quoi déjà? Tu les notes sans désir, sans distinction, sans jugement. Ah voilà, c'est ça. Et tu définis ceux qui sont le plus ceux qui vibrent le plus pour toi au niveau corporel. D'accord. Et l'objectif après, c'est forcément de commencer à les réaliser. Un désir ne se réalise, c'est ah, OK. Un désir, ce n'est pas forcément quelque chose qui va venir te nourrir physiquement parlant parce que tu vas gagner des sous avec. Un désir, ça te contente à l'intérieur, ça te comble à l'intérieur, ça te remplit à l'intérieur parce que tu t'autorises à vivre le processus étape par étape à tes désirs. Et donc, qu'un désir te fasse gagner de l'argent, te fasse générer des revenus, ou alors qu'un désir soit totalement que ça te fasse pas gagner des thunes, là n'est pas l'important. Arrête de plonger ton regard à l'extérieur et commence à plonger ton regard à l'intérieur et accepte de vivre le processus de mettre en mouvement tes désirs, les mettre en forme dans ta vie quotidienne. D'accord, Voilà, Laetitia. merci, bonne Bonne soirée. soirée à toi. Salut. OK. Donc, encore une fois, bonsoir à tout le monde. Donc, il y a qui? Il y a Pascal, Marie, Almaline, Sylvie, Monique, Saruman. Coucou, Saruman. Content de vous retrouver ce soir. Toujours en mode question-réponse. Comme d'habitude, à partir de votre question, je rends conscient, en communiquant avec votre structure inconsciente, je rends conscient les énergies qui sont prioritaires que vous preniez conscience. Je ne sais pas si ça se dit comme ça en fait. En gros, je rends conscient des énergies qui sont prioritaires d'être vues, d'être pleinement reconnues, d'être embrassées et d'être assimilées en vous. Et donc, je vous donne aussi quelques clés concrètes ou des outils concrets comme vous venez de le voir. Alors, tout de suite, et donc n'hésitez pas à cliquer. J'accueille Mélanie. Mélanie, active ton micro parce qu'il n'est pas. Voilà. Ouais, salut. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, je t'entends. Salut, salut. Alors, ma question. Là, tout de suite, je pensais au chômage. Tu sais, ce truc que l'État nous verse après qu'on ait travaillé en tant que salarié.
Ça fait quelques temps que je le touche. Il me reste encore, je dirais, un an et quelques. Je pourrais vivre, on va dire, décemment, comme ça. Et comme je suis en train de relancer mon activité, mais que je me suis rendu compte récemment que j'avais la sensation, en regardant les chiffres, que ce n'était pas viable et que je ne pouvais pas vivre confortablement de mon activité et qu'il fallait absolument que je cherche un autre emploi à côté. Ça m'a plongée dans un truc assez costaud. En plus de tomber malade, ça m'a alitée, donc du coup, ça fait remonter plein, plein de choses et une grande énergie de désespoir, clairement, de non-sens, de mais à quoi bon? J'ai vraiment la sensation de, bah, sous trop de pression, je me suis mise en dépression, de façon temporaire. J'ai du mal à en sortir. Et vraiment, par rapport à cette question du comment je vais pouvoir subvenir à mes besoins, je rencontre une grande résistance dans ce boulot que je dois chercher en plus de relancer mon activité dans la danse, parce que je n'ai pas envie du tout, enfin il y a une partie en moi en tout cas qui n'a pas envie du tout de reprendre un job alimentaire. Je ne vois pas ce qui pourrait me nourrir intérieurement là-dedans. Donc du coup, je bute et je me renferme terriblement. Voilà où j'en suis. Et pardon, et c'est un peu long, mais ma question par rapport à ça, c'est que du coup, cette énergie du mais à quoi bon, qui a perdu la direction, il y a quelque chose qui a perdu la boussole chez moi, qui a perdu le sens. Et du coup, je ne sais plus par où passer pour retrouver le sens. Là, j'ai l'impression d'être tombée dans un trou. Voilà. Alors, il est question y a un côté admettre là où tu en es qui est vachement présent. Un côté j'arrête de me battre, de gesticuler dans tous les sens et je vais à l'essentiel. Parce que c'est vert, pardon. Cet essentiel-là que tu es en train doucement d'aller. Même si cet essentiel-là, c'est un peu le grain de sable que tu n'avais pas vu, que tu n'avais pas forcément senti, mais qui construisait toute une machinerie autour de toi. C'est un essentiel pas facile à vivre, parce que ça te met dans tes tréfonds. Parce que ça te met dans un immobilisme, comme si la gravité était super forte. Et en même temps, c'est cet essentiel qu'il est nécessaire de voir. Juste à côté de ça, il y a la légitimité. Ok, t'as des talents, mais tu ne les vois pas totalement. Tu peux faire plein de trucs. En plus, je te connais, tu ne vas pas me la faire à l'envers. T'es genre la fille que je connais qui a plein de ressources, qui a fait plein de trucs, et c'est comme si t'étais en fait comme s'il y avait un angle mort là-dedans. C'était là, tu vois, derrière ta tête, et que peu importe comment tu bouges la tête, ça tu le perçois pas. Il y a une zone douloureuse à aller agripper, à aller te rendre compte que tu as du talent et que tu peux faire presque ce que tu veux parce que tu as fait tellement de trucs. Et donc là, on touche à une notion de création. Non. Je veux pas y aller. Non, je sais
pas comment gagner de l'argent avec ça. Ça fait très peur, ça. Ouais, parce qu'il est question d'autonomie derrière. Ben ouais. C'est avoir un boulot alimentaire et subvenir à ses besoins, donc être son propre père, sa propre mère, c'est plutôt facile pour n'importe qui sauf pour toi. Parce qu'il y a un truc de plus possible, en fait. Il y a un truc qui est plus, qui est beaucoup trop douloureux parce que ça renvoie à du chantage. Et donc là, t'es un peu entre deux mondes. Où tu as clairement, bah, tu le dis clairement, bah, au moins un boulot salarié, c'est impossible. C'est plus envisageable. Et en même temps, tu n'as pas encore totalement mis... Tu as commencé à mettre un pied sur, dans le côté, dans la zone de « je suis mon propre parent, je suis ma propre mère, je suis mon propre père. » Et et ce processus de me nourrir, de générer des revenus et que ça me sert à payer mon loyer, ça me sert à me nourrir physiquement, ça me sert à subvenir à mes besoins comme le ferait un parent. C'est compliqué. Attends, j'en étais là. C'est compliqué. Ouais, c'est quand même un peu compliqué pour toi. Parce que ça signifie que tu coupes totalement le cordon. Et il y a un truc de pas supportable. Tu as besoin d'un repère. Il y a toujours besoin d'un repère. L'être humain fonctionne en termes de repères. Et le repère, c'est le système qu'on nomme mental qui s'en occupe. On a besoin d'avoir des repères à plus ou moins niveau. Ça peut être des repères émotionnels, mais au niveau mental. Bref, le truc là, chez toi, c'est... Ok, ouais. Ouh, ok, ça passe. l'énergie de la mer, ouais, on est plutôt sur ça. Énergie de la mer... Ok, tu es soumise à son système, mais sans le reconnaître totalement. Parce qu'il y a un truc que tu ne supportes pas. Et c'est cette énergie que je suis en train de toucher chez toi. Tu ne supportes pas cette énergie de maman, de la nourricière, de l'absolu. Parce que pour un nourrisson, maman, c'est Dieu. Hein. Donc en fait, soit tu te fais dominer par le système, mais tu te fais nourrir. Donc, par le système maman, soit tu es libre et indépendante, mais tu crèves. Ouais. Et à partir de ce grain de sable-là, à partir de là, tu crées je n'ai pas de talent, je ne vois pas mes talents, je ne vois pas mes propres talents. Parce que si tu vois tes talents, ça veut dire que tu es capable de. Te reposer dessus, de t'enraciner à l'intérieur et de les mettre en mouvement. Et de cette mise en mouvement, des gens sont intéressés, te payent et tu subviens à tes besoins. Et ça, pour ta structure, c'est je crève. Et donc, c'est un peu choisir entre la peste et le choléra. Ouais, c'est ça. Okay. C'est choisir entre la peste et le choléra. C'est soit tu crées tes désirs, soit tu crées... Tu crées tes talents, tu les mets en forme, mais tu n'as plus de lien. Et donc là, je suis en train de toucher un lien au niveau du bide, un lien énergétique au niveau du bide. On va aller voir ce que c'est. Lien énergétique au niveau du bide qui te relie, c'est de l'émotionnel profond. Donc, du pulsionnel, c'est des pulsions profondes. Ok, ouh. Ouais. Toi, tu te délivres et tu vas voir un ailleurs que tu n'as jamais vu. Toi, tu restes dans la cage et quoi? Soit tu restes dans la cage, soit tu restes avec maman oiseau, sachant que tu es déjà assez grande pour t'envoler tes propres ailes. Donc, en fait, ce qui fait flipper ton système, ce n'est pas de gagner de l'argent
Ah, j'ai du mal, putain, à le dire. C'est pas gagner de l'argent par toi-même, c'est de séparer le lien émotionnel avec maman. Et Dieu sait que c'est un gros sujet. Oh oui. Oh. Ah. Ok. Et tu essayes de trouver quelque chose, quelqu'un qui te sauve. Une main salvatrice qui va venir te secourir de cette relation toxique. De cette relation particulière, on va dire, avec ta mère. Ouais, et c'est précisément pour ça que du coup je m'isole parce que je veux pas aller bouffer le monde extérieur dans cette demande. Ouais. Alors, ouais. Il y a une résistance à ce niveau-là. Carrément. Il y a une bonne résistance à ce niveau-là. C'est la remise en cause. Vivre de tes propres efforts. Ça, c'est l'information brute. Vivre de tes propres efforts, ça veut dire que tu te dois d'être aussi puissante. Ah, c'est intéressant. Tu te dois d'être une femme aussi puissante que ce que tu perçois chez ta mère. Et donc, pour ça, tu dois te débrouiller par toi-même. Sauf que manque de peau, bah, en fait, tu peux pas te débrouiller par toi-même parce que tu es une gosse. C'est l'espace de toi, c'est la partie de ta structure qui est encore à l'âge d'un mois et qui peut pas et qui a pas de dents, tu vois, qui a rien, si ce n'est crier pour attirer l'attention et faire en sorte qu'on s'occupe d'elle. Et donc c'est il y a une notion d'acceptation de là où tu en es à ce niveau-là. Ce n'est pas une question de thune, ce n'est pas une question de. Tu as du talent, tu as plein de talents, tu sais poser le cadre. Est-ce que tu es prête à faire le chemin seule? Est-ce que tu es prête à être adulte? Est-ce que tu es prête à voir le monde autrement que à travers les yeux du nourrisson? Ben, j'en sais rien. Que là, pour l'instant, tout ce que j'ai la sensation de pouvoir faire, c'est de reconnaître ça. Et ce matin encore, je le disais avec une amie avec laquelle je discutais de cet état du bébé dans lequel je me trouve actuellement, parce que j'ai réussi à le nommer, j'ai réussi à le trouver, ce truc-là. Je ne sais pas comment être au monde en tant qu'adulte avec ça. Et du coup, c'est très difficile parce que je ressens que, à la fois dans le travail, j'aurais besoin de me sécuriser à fond et de travailler avec des personnes que je connais, des personnes très rassurantes, par exemple. Ça pourrait m'offrir un emploi plus safe. J'irais plus volontiers vers un boulot alimentaire, entre guillemets, si je connais bien les gens et que ça sécurise un peu le bébé chez moi, plus que de répondre à une annonce comme ça, lambda. Et de l'autre côté aussi, quand ça va pas, je sens que j'aurais vraiment présent. J'ai un énorme besoin d'une présence féminine qui m'enveloppe, mais que l'adulte ne peut pas faire cette demande aux autres femmes adultes autour de moi, femmes ou hommes d'ailleurs, une énergie féminine, voilà. Donc je me retiens et du coup je ne sais pas comment. Bah là, j'en suis vraiment à l'étape où je ne sais pas. Une histoire de choix derrière. Ce que je suis en train de toucher, c'est une notion de choix. Le choix d'être défiguré, c'est intéressant comment ça vient. Le choix d'être défiguré, ça veut dire faire quelque chose, en fait, faire quelque chose à travers lequel tu te reconnaîtrais même pas. Parce que tu as un système de protection comme si tu voulais conserver un minimum
le lien nourrisson-maman. Parce que c'est structurant. Ouais. Que tu as du mal à demander, à lever le panneau SOS, ça va mal, j'ai besoin. Alors que c'est peut-être comme ça que tu vas te rendre adulte. Ouais. C'est peut-être à ça qu'on reconnaît un adulte d'un enfant. C'est qu'un adulte est techniquement, hein, capable de dire là où ça fait mal, alors qu'un enfant va être très évasif, voire bah, ne va pas du tout être capable de dire où est-ce qu'il a mal. Il va faire que pleurer ou être énervé. Un enfant fatigué, il ne va pas dire « je suis fatigué, j'ai besoin d'aller au lit, il est 23 heures ». Il va courir dans tous les sens, tu vois. Ouais. Et c'est précisément cette mise en danger pour toi de dire « j'ai besoin d'aide ». Et donc de définir que oui, tu as besoin d'une énergie féminine, comme tu le disais, parce que ça, c'est pertinent. Ouais. J'ai besoin de me sécuriser. Et ça, c'est ton job, en fait. Ouais. C'est de définir, de donner une forme à cette énergie, de pouvoir la nommer, de pouvoir... Et donc, créer une interface de relation avec le monde. Et on en vient à ça. C'est comment tu interagis. Et donc, ça répond à la question de tout à l'heure. Hein. Comment on interagit avec le monde sans être un horizon? Eh ben, en nommant, en parlant, en verbalisant. Et oui, il y a la peur au ventre. Ouais. Génial. Est-ce que je peux te poser une dernière question ou ça fait trop long? Bah, ça dépend. Là, il est, ça fait déjà. Bon, vas-y, ce sera plus court forcément. Ouais. Là, en fait, tout à l'heure, ce qui m'est venu, c'est bizarrement, c'est et le yoga dans tout ça. Par rapport Ouais. à ce que je pourrais proposer. Quand tu parlais de légitimité, comme quoi j'ai plein de talents un peu partout, que j'ai fait plein de choses. Et c'est drôle, c'est en train de me retitiller un peu en ce moment, alors que je pratique plus, enfin pas au sens où on l'entend dans les studios de yoga. Et je me demande si c'est une piste, ça. Oui. Ouais. Il y a une pièce, mais en tout cas, la mise en forme, elle est totalement libre. Ouais. Tu pourrais très bien, et là, c'est très concret, c'est très pragmatique, enregistrer des vidéos de yoga, un truc très simple pour débutants, et les vendre. Ouais. Enfin, tu vois, il y a mille manières de mettre en forme tes talents. Ouais. Et donc, c'est pour ça que ça te plonge dans une créativité, donc que ça te plonge dans une énergie de création totale. Et donc une énergie de maman. Alors attends, il y a un autre truc. C'est branché où là? C'est sur une quête du. Ah bah tiens, c'est intéressant. Du père sévère. En deux mots. Hein. Oui. Du père sévère et du je persévère. Ouais. Tu vois. Et c'est là que tu te perds, c'est là que ta structure s'y perd. Alors, quelle clé il y a pour ça? Une attitude à avoir vis-à-vis de soi-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Une attitude à avoir vis-à-vis de soi-même, ça veut dire que tu ne peux absolument pas. Ah bon, c'est tout simple en fait. Tu n'es pas capable de jauger si ça va être bon ou mauvais. Tu n'es pas capable de jauger si un besoin va te mener sur la bonne route ou la mauvaise route. Et en fait, on ne sera jamais réellement capable, même en imaginant un adulte pleinement réalisé, on pourra jamais totalement, parce qu'en fait, c'est un peu la surprise de la vie. Ok, voilà, c'est ça. Reste avant tout avec toi.
Et avec toi, ça veut dire ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire mettre des mots. Et de créer les mots sont une interface avec les autres. Et l'intention derrière le mot est une relation avec toi-même. Donc, créer des interfaces avec les autres et avec toi-même. Tu as besoin d'être en sécurité? Tu le sais, tu le formules à ta manière, parce que ça peut être là aussi la formulation est totalement libre. Et bah après, de toute façon, tu vois ce que ça donne. Et ça sert à rien de jouer dans la démesure, hein. Surtout pour gagner ses premiers sous quelque part, tu vois. Surtout pour rentrer dans ce chemin de je me nourris. Je suis ma propre mère, mon propre père, et je le fais en passant par mes filtres à moi, en passant par mes préférences à moi, par mes besoins individuels. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Avec plaisir, Mel. Bonne soirée à toi. Merci, toi aussi. Ok, alors, donc n'oubliez pas que si vous voulez poser votre question, c'est sur le lien qui s'affiche ici. Je l'ai mis sur le chat. Ensuite, les prochains ateliers, c'est ce dimanche, c'est l'atelier de chirurgie informationnelle. C'est une méthode énergétique qui permet de reconnecter le corps, de reconnecter chaque organe au flux d'informations, à vos priorités. Et donc, je propose un atelier ce dimanche de 19h30 à 20h30. Ça coûte 20 euros. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, rubrique les prochaines dates. Il y a un calendrier qui vous permettra, pardon, de vous inscrire à cet atelier. Sinon, c'est à peu près tout. Ah oui, il y a aussi ce samedi de mémoire, je vais voir, mais il y a normalement une conférence. Alors, c'est quoi la conférence? La conférence Vivre le changement, le 22-04, c'est ça. Il n'y a pas d'inscrit pour le moment, donc pour le moment, elle est annulée. Donc, c'est une conférence qui permet de vous rebrancher sur vos priorités actuelles. Donc, c'est une conférence de 3 heures dans laquelle on commence par des jeux, puis ensuite je formule un thème, et ensuite troisième étape, à partir du thème, vous pouvez poser vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet. Alors, après Mélanie, il y a Cédric. Bonsoir Cédric. Bonsoir, salut. Comment ça va? Allô? Tu m'entends bien? Là, oui. Ah, super, merci. On a déjà fait une séance ensemble, je ne sais pas si tu te souviens. Enfin, alors moi, en fait, ma question, c'est, j'arrive pas trop à prendre des décisions, en fait. Ça coupe, Cédric. J'ai entendu, je n'arrive pas à prendre de décision. Et Voilà. après, il n'y a plus rien. Ouais, ok, normalement ça devrait remarcher. Donc là, je reviens d'un mois d'un ashram, où j'ai fait du yoga et j'ai médité pendant un mois. Et là, le retour à la réalité est un peu compliqué. Et j'aimerais savoir, en fait, si tu arrives à voir, à ressentir mon prochain mouvement, en fait, savoir qu'est-ce qui serait bon pour moi de faire. Est-ce que je repars 2, 3 mois pour bien ancrer ce que j'ai appris là-bas, ou est-ce que je rentre dans ma famille, dans le Var, et je quitte Nice? Est-ce que... Voilà, en fait, je ne sais pas trop quoi faire, en fait. Alors, ah, c'était doux et cotonneux là-bas. C'était facile. Et C'était voilà. un endroit protégé. C'était un endroit
qui te permettait de ne pas vivre de manière aussi intensément que d'habitude, et t'y as pris goût, et si tu y as pris goût. Alors, ce n'est pas que c'est la vie, mais presque, dans le sens où la vie, c'est aussi être en face de tes choix. La vie, c'est aussi être capable, toi, de créer l'environnement que tu veux. Donc, en fait, ce soir, on est sur nos besoins. C'est la thématique du groupe, et tu n'y échappes pas, évidemment. Il y a vraiment une notion d'éclaircir quels sont tes besoins. Alors, il y a autre chose pour toi, c'est quoi? Fierté, c'est quoi ça? Trouver une issue de secours. Ah, essaye de prendre un raccourci pour terminer ta vie. Essaye de prendre un raccourci pour, ouais, pour terminer ta vie, pour, comme si la vie était un jeu vidéo, que tu essayais, tu avais trouvé un cheat code et que tu testais ce code pour terminer les niveaux plus vite ou avoir des super pouvoirs ou être invincible. Et tu penses vraiment que la vie se passe comme ça. Okay. Pourquoi? Parce que tu confonds deux étages. Tu confonds le subtil et la matière. Dans le subtil, tout se passe très vite. Dans le subtil, tout est presque instantané, si tu veux. Par contre, dans la matière, en fait, il y a ce qui s'appelle le temps qui existe. Et dans le temps, eh ben, on est dans le labyrinthe du temps. Et dans le labyrinthe du temps, bah, comme dans tout labyrinthe, parfois on se perd. Parfois, c'est la mauvaise route. Parce que ça ne te mène pas vers la sortie. Mais en fait, que ce labyrinthe, le labyrinthe de la vie, de ton individualité, de ton quotidien, est tellement grand, est tellement vaste, que trouver la sortie, on s'en tape. Le but du jeu, ce n'est pas de trouver cette foutue sortie. Le but du jeu, c'est de s'amuser à parcourir en long, en large et en travers ce dit labyrinthe et de voir qu'est-ce que tu peux créer pendant le processus. Là, je suis en train de toucher une énergie féminine, une énergie de création. Bah tiens, une énergie de création. Oui, je la sens bien. Ouais, et en fait, c'est ça ta priorité. C'est au lieu de vouloir fuir de manière extérieure en disant dans quel voyage je vais pouvoir continuer à faire, quel voyage je vais pouvoir, quel pays je vais pouvoir visiter, quelle fuite je vais pouvoir créer pour pouvoir. Pour ne pas être obligé de voir que j'ai la nécessité de créer quelque chose dans ma vie. Donc en fait, toi, tu es quelqu'un qui parcourt le monde entier à la recherche de l'endroit idéal pour trouver, pour construire sa maison. Et tu cherches un endroit tellement idéal que cet endroit n'existe pas. Parce que l'essentiel, c'est pas l'endroit idéal, c'est est-ce que tu construis ou pas? Est-ce que tu commences à construire ou pas? Est-ce que tu me suis? Carrément. Là, t'es Ok. bien dedans. Là, je suis. C'est bon, c'est bon. Ok. Dans ta structure, ça crée quelque chose de vertigineux. Ça crée vraiment cette. Au niveau le retour énergétique de ta structure, c'est vraiment un truc, mais tu vois, on te demande de sauter à l'élastique alors que tu as peur de. Lorsque tu es sur l'escabeau, tu vois. Et donc, ça te demande, au lieu de fuir à l'extérieur Ok. Donc, toi, ta stratégie, donc ce que tu pose comme énergie inconsciente dans ta relation au monde, c'est une énergie de j'ai besoin du féminin. Et donc tu vas brancher les gens, hommes comme femmes, comme situation, pour en fait recevoir de l'énergie féminine, parce que pour toi, tu en manques. Donc l'énergie, et si je te reformule, l'énergie féminine, c'est l'énergie de création. C'est celle qui construit, c'est celle qui forme. Et donc, tu as une peur panique de te trouver. Ah, c'est ça. Tu as une peur panique de te trouver enfermé. C'est pour ça que tu ne crées pas et que tu voyages. Parce que tu as une crainte de l'enfermement. Tu as une crainte d'être pris totalement prisonnier Les de tout choix. ça. Alors, de tout ça, ça veut dire. C'est quoi ça? De tes propres règles, de tes propres règles, de tes propres incohérences. Des pièges que tu te tends à toi-même en fait. Et en fait, c'est OK. On est tous là à vouloir quelque chose et que ce quelque chose soit un piège dans lequel on tombe, mais qui nous sert après, quand on a passé l'expérience, peut-être 10 ans plus tard, pour faire autre chose parce que ça nous aura servi de ressource.
Si je dois résumer, tu as peur d'être indépendant, de te sentir à l'intérieur, indépendant du reste du monde. Comme si tu avais. Et tu as un corps qui est indépendant du reste du monde, parce que ton corps est pas fusionné avec le PC, le corps n'est pas fusionné avec le mien. Donc, c'est le principe de l'individuation, du fait d'être séparé du reste du monde, ça te tu le supportes pas. D'où le fait de te rassurer avec une énergie féminine, avec une énergie de création. Yes. Donc, accepte de te poser où tu veux, même de manière totalement random, au hasard. C'est OK. L'essentiel, ce n'est pas est-ce que c'est un bon endroit, c'est est-ce comment tu arrives à jouer avec l'endroit, avec les. Je ne sais pas si on prend l'exemple d'une maison. Et d'un terrain que tu chercherais, au lieu de chercher le terrain idéal, tu prends le premier terrain qui arrive, tu vois ce que tu peux faire et ce que tu peux construire avec les ressources que tu as à disposition. Ouais, comme un jeu en fait. Comme un jeu. Voilà, sans te poser la question de est-ce que je vais réussir, Parce est-ce que que. tu cherches un idéal qui n'existe pas. Donc en fait, tu cherches quelque chose que tu ne pourras jamais attraper. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai l'impression de me noyer. Mais ouais, ça reste. Donc, création. Alors, en résistance, tu te dois de bien faire. Tu dois prouver que tu es bien sur la bonne voie, sur la bonne route, que tu fais bien les choses, que le processus se passe bien et que le résultat va être au rendez-vous. Et en fait, c'est une pression monstre que tu te fous. Ouais. Je lâche pas plus. J'ai tellement d'exigences derrière tout ça. C'est pour ça que je te dis, bah, en fait, prends le premier terrain qui arrive, prends la première situation qui arrive, prends le premier contexte qui arrive et mesure-toi à toi-même. Ça. Se mesurer à soi-même, c'est-à-dire que tu es le seul point de repère qui puisse exister en ce monde. Ouais, putain, ça c'est quand même compliqué d'être, pour moi en tout cas, d'être, Mmh. de ne pas me comparer en fait. Il y a toujours une espèce de. Et Ouais, ça se parce que fait même inconsciemment. c'est comme ça que tu y vas, en fait. C'est comme ça que tu arrives à trouver l'énergie. Ouais. Tu as deux stratégies pour trouver l'énergie. La comparaison et l'appât. Quand tu vois quelque chose vers lequel tu es attiré, ça va te motiver, surtout si c'est une énergie de création que tu perçois derrière. C'est comme une abeille qui sent l'odeur du pollen, tu vois, qui perçoit l'odeur du pollen. C'est irrésistible, elle va direct sur la fleur. Et bien toi, c'est pareil avec l'énergie féminine. Ouais, c'est Dès que tu instinctif. perçois une énergie féminine, c'est bzzz, et tu restes, tu vois. Et l'autre stratégie pour te motiver, c'est la pression que tu te mets par toi-même. Et donc, tu vois que tu as deux stratégies, une extérieure et une intérieure. OK. Alors, ta priorité, c'est la création. Ta priorité, c'est accepte de dire va te faire foutre aux gens. Il y a vraiment un côté hyper consensuel, hyper doux, hyper poli, hyper chiant. Génial. Merci. Il va te faire foutre, Samuel. Avec amour toujours. En fait, tu te dévalorises. Si je dois reformuler. Tu vas toujours te voir plus bas que terre, plus bas que les autres, plus bas que il, plus bas que elle. Comment on fait pour sortir de ça? Bonne question. Voilà. Alors, ça me sort, retrouve-toi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça, c'est l'information brute. Une information brute, c'est quand ça ne va pas parler au mental. Hein. Si je te dis retrouve-toi, tu vas me dire, bah, t'es bien d'accord, mais va te faire foutre, quoi. Tu retrouve-toi. Ouais, ça me parle de nouveau de point de repère. Hein. Ouais.
Alors, on est de retour au niveau du point de repère. Il y a un truc qui n'est pas branché au niveau de tes points de repère, c'est quoi? Alors. N'en démords pas. Arrête de jouer l'anguille. Et commence à devenir un Doberman. Sur quoi? Sur tes positions, sur tes désirs, sur tes envies, sur ce qui te semble important. Tu vois, c'est vraiment le côté non, démords pas. Tu n'as pas à lâcher ce qui est important pour toi. Tu n'as pas à lâcher la main de tes besoins, de tout ce qui est à l'intérieur de toi. C'est toi qui l'accompagne. C'est toi qui le fais grandir. Yes. Ouais, ça s'ouvre. Je sens au niveau du cœur, ça s'ouvre bien. Ouais, ta structure répond bien à cette info. Donc en fait, c'est prendre position de manière ferme parce que, comme en plus, tu as de très bons ressentis, parce que ça s'ouvre. Donc, tu vois bien que le point de repère, il est à l'intérieur et pas à l'extérieur. Et que c'est sur ce point de repère qu'il est nécessaire que tu t'attaches et pas et que tu ne t'attaches pas forcément à ces requêtes extérieures ou à ces demandes extérieures ou au point de vue des gens extérieurs. Ouais. Et c'est comme ça que tu t'accompagnes. C'est comme ça que c'est fait grandir ce que tu perçois en toi en ne lâchant pas le morceau. Ouais. Parce qu'il est réellement question de, du coup, devenir adulte. À ce niveau-là. Devenir adulte à ce niveau-là, en fait, c'est ça l'important, c'est ça ta priorité. En utilisant la clé, mais en fait, je ne lâche pas ce point de vue parce que c'est important. En fait, tu évites d'être englouti par les énergies, à la fois les énergies féminines, les énergies de création que tu perçois à l'extérieur et qui t'attirent d'habitude. Parce que chez toi, il y a une sorte de flou. Comme si, tu sais, le côté... Tu sais, dans Mowgli, le livre de la jungle, le serpent K, et confiance. Bah, en fait, l'extérieur agit comme ça sur toi. Tu t'endors. Les gens jouent du pipeau, les situations te jouent du pipeau, et toi, ça t'endort progressivement, tu vois, t'es comme ça. Et tu en viens à oublier de ne pas lâcher ce qui est important pour toi, ce qui fait que tu es avec toi. Ouais, génial. Et là, en fait, tu sais ce que je sens, ça ressent. En fait, ça s'ouvre, ça descend vers le bas, et ça s'ouvre au niveau du racine. Cool. Parfait. Ouais. Et là, tu es positionné. Une fois que tu. En fait, c'est ça qui est vraiment magnifique dans cet outil qu'est la perception des énergies. C'est que ça peut être utilisé comme un outil où on se perche, donc c'est-à-dire où on oublie de vivre sa vie, où on fuit sa vie concrète, matérielle, ses choix. Payer des impôts, etc., etc. La vie quotidienne, les voisins, la famille, les amis. Et ça peut être vécu comme un outil où on se rebranche sur son individualité et ce qui nous fait nous épanouir en nous. Et, ouais, et comment tu fais? Non, mais je le ressens, en fait, c'est plusieurs fois que ça m'arrive, mais en fait, la difficulté, c'est qu'après, en fait, tu perds le fil. Et comment tu fais pour toi te recentrer, en fait, pour te ramener. Et pour ne pas te faire embrumer un peu partout l'extérieur, par les pensées, par les doutes, par le mental. Tu veux vraiment arriver à esquiver ce genre d'expérience? Non. Ouais, ok. Parce que ça fait partie de l'apprentissage. Tu ne peux pas espérer faire du vélo et ne jamais tomber. Ouais, c'est ça. Un bébé qui marche, il fait ses premiers pas, mais il se gamelle en même temps. Donc, ouais. En fait, le côté... En fait, c'est, je sais plus qui disait ça, mais en gros, l'idée c'est j'échoue, en fait, j'en apprends sur moi. Ouais, c'est ça. Donc, il y a en gros deux, trois ou quatre situations. Tu as conscience de ce qui est vraiment épanouissant pour toi à l'intérieur. Donc, quelle action, quel choix extérieur, quelle décision, etc., extérieure représente mon épanouissement personnel. Intérieur, et donc ce côté chez toi, je suis branché au premier chakra,
Donc, je vis ma vie d'humain. Et donc, j'ai conscience de ça, bah parfait, je fais. Je n'ai pas conscience de ça. Et là, il y a deux, il y a, je crois qu'il y a, ouais, c'est ça, il y a deux solutions. Je n'ai pas conscience de ça et j'en prends conscience un jour, soit de manière intérieure, soit de manière extérieure. Donc, soit c'est par moi-même que je vais prendre conscience, soit c'est, et en général, c'est les deux en même temps, bah c'est à travers les autres. Donc dans, ça peut être un thérapeute, ça peut être un clairvoyant ou qui tu veux, mais ça, c'est la vie quotidienne, en fait. C'est fait pour ça. La vie quotidienne est faite pour ça. Elle est faite pour te pointer, pointer là où tu dois être. Comme si ça disait, t'sais, le truc, vous êtes ici. Et ben voilà. Donc en fait, tu ne peux pas ne pas te perdre. Arrête de... Tu vois, tu veux encore un truc hyper parfait, comme cette image qu'on a des êtres réalisés ou que sais-je. Et en fait, ça n'existe pas. Ouais. Un être humain n'est pas réalisé. Un être humain, c'est un être humain. Tu confonds les niveaux. Il y a bien le niveau de la matière avec le corps, l'individualité qui est posée sur le corps. Et l'arrière-plan qui vit tout ça et qui, lui, est dans une paix. Mais ça n'a rien à voir, les deux. Ouais, okay. Ça n'a strictement rien à voir. Donc, en fait, tu as un outil, tes perceptions énergétiques qui sont fines et qui sont puissantes. Regarde, l'outil que je peux te donner, et c'est très simple, hein, c'est tu énonces un concept, une idée, et tu vois comment ta structure énergétique, ta structure réagit. Ah tiens, là, c'est au niveau du cœur que ça se bloque, que ça s'ouvre. Ah tiens, là, c'est au niveau... Bah là, ça me rebranche direct au niveau du chakra racine. Ah, ça me connecte à la gorge. Et avec ça, tu es capable de jauger. Est-ce que c'est OK? Est-ce que ça, et déjà, est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que ça ferme? Ouais, et c'est un outil comme un autre. Ouais, mais je pense qu'il y a une grosse part de moi qui a refusé la matérialité, en fait. C'était vraiment... Ouais. Mais voilà. Fais le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, c'est en gros, ce que j'essaie de faire, en fait. Fais le lien entre le féminin et le masculin. Et ouais. C'est ça. Des fois, j'ai l'impression de d'être divisé en haut, en bas et à gauche, à droite. Donc, j'essaie de me recentrer. Ouais. Et ça, ça vient par je lâche pas ce qui est important pour moi. Et là, je reviens dans le cœur. Ouais. Et à la limite, tu vois, je vais aller même plus loin. Même si tu n'étais pas dans le cœur, c'est pas grave. L'essentiel, c'est la conscience que tu as de toi. Au moment où tu fais l'action, au moment où tu dis la parole, au moment où tu choisis. La conscience que j'ai de moi. Ouais. Ce qui se passe. Être conscient de soi, c'est être un témoin de la scène. Un témoin neutre. Ça ne veut pas dire que tu dois être un témoin neutre, parce que toi, tu n'es pas un témoin neutre en tant qu'être humain. Ton humanité, elle n'est pas neutre, parce que ton humanité, ce sont des tendances qui vont dans tous les sens, qui disent oui, qui disent non, qui disent gauche, droite, haut, bas. Et il y a tout et son contraire, il y a toutes les polarités qui existent en toi. Ok, voilà, bon, je ne comprends pas trop. Mais En gros, fais feu de tout bois. Pardon ? Fais feu de tout bois. Ouais, toute ton humanité est une ressource. Qu'elle soit positive ou négative, qu'elle soit dans l'ombre, dans la lumière, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse. Ça veut dire fausse. En gros, fais ce que tu peux avec les outils que tu as et c'est comme tout le monde, tu vois. Ouais, non, ouais. Mais c'est vrai, mais c'est vraiment comme tout le monde. Ouais. Mais bon, déjà, tu pourras revenir sur ce mini-entretien si tu veux, mais en gros, ouais, lâche pas le morceau. Okay. Tiens-toi la main à l'intérieur et arrête de te faire embourber à l'extérieur avec les attentes des autres. Ouais. Voilà ce que je peux dire. Super, merci beaucoup, merci énormément Samuel. Avec plaisir, passe une bonne soirée, salut. Merci beaucoup. Ok, il n'y a plus personne. Personne n'a de questions. Vous êtes sérieux les gens? Non, je déconne. Exact, Octave, c'est Nelson Mandela.
Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et ouais, c'est un. C'est. Ouais, c'était cette citation que je cherchais. Merci. OK. Donc ce soir, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on avait peur de nos désirs et de les réaliser. On a vu qu'on avait peur de nos talents et de le. En fait, on avait peur, on a peur de devenir son propre parent, quelque part. C'est l'énergie du groupe qui en est là ce soir. Très perturbant ça, parce que c'est aussi mon cas en ce moment. Alors, vu que plus personne n'a de questions et qu'il n'y a personne dans la file d'attente, eh bien, je vais vous dire merci pour la participation. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous pour me soutenir, parce que vous n'êtes pas sans savoir que j'ai perdu mon ancienne chaîne YouTube. Je suis réellement en galère. Et donc, je vous demande vraiment de soit de partager la vidéo, ou soit de, si ce n'est pas déjà le cas, de vous inscrire, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir. Ça me recouragera déjà. Parce que je dois. On parlait de création, tiens. Je dois vraiment tout recommencer. C'est une remise à zéro totale, complète, dans laquelle je dois tout recréer de zéro, quelque part. Enfin, pas totalement de zéro, parce que j'ai toujours. Je suis qui je suis et je ne pars pas de zéro à l'intérieur. Mais au niveau concret, je pars de zéro. Donc, c'est une vraie mort, en fait, que je suis en train de vivre en ce moment. Bonsoir à toi, Elena. Bonsoir, Ophélie aussi, que je n'avais pas salué. Et bonsoir, Lauriane et Octave. Donc, ouais, on était sur la thématique de la création. Comment créer à partir de rien? Très bonne question. Créer à partir de rien, ça se fait avec rien, s'habiter son couteau, comme on dit. Non, créer à partir de rien. Comme je l'ai dit à Cédric, c'était vraiment ne pas lâcher ses. Il y a une véritable notion d'affirmation qui est extrêmement importante. Sachant que je dis ça lorsque je capte des informations. Ce sont des informations que j'ai besoin d'entendre aussi. Hein, parce que je ne peux pas capter une information dont je n'ai pas besoin. Donc, si je fais tout ça, c'est aussi pour moi, et c'est surtout pour moi, pour m'aider en allant explorer la manière dont vous fonctionnez, de m'aider moi à trouver aussi mes propres clés. Donc, c'est quelque chose qui est très utile et en même temps, j'espère que ça vous aide. Donc, je fais des digressions de malade, en fait. Incroyable. Ne pas lâcher, ne jamais lâcher même nos petits travers. Si c'est important pour soi, on fonce. On ne se décale pas d'un iota. Et c'est une forme de vigilance, c'est une forme de veille à avoir sur qui je me sens être maintenant. Quelle est ma vérité personnelle maintenant? Et sachant que être dans sa vérité personnelle maintenant, ça ne veut pas dire avoir raison. Être dans sa vérité personnelle maintenant, ça veut dire être sur une information. On ne sait pas si elle est vraie. On la pense vraie maintenant, on la ressent vraie maintenant. Mais peut-être que dans 6 mois, peut-être que dans 3 mois, peut-être que dans 3 semaines, ce ne sera plus le cas. Et donc, on ne pourra jamais savoir si la vérité personnelle de l'instant est une véritable vérité absolue. Bon courage pour la trouver, soit dit en passant. L'essentiel, c'est comment je construis à partir de ce que je perçois comme étant vrai pour moi, ce que je perçois au niveau corporel, émotionnel, vibratoire, mental, comme étant vrai pour moi maintenant, comme étant sûr à 100% maintenant. Et donc là, il y a une nouvelle info qui vient. C'est à la seconde où je perçois cette vérité comme étant fausse,
ne pas hésiter à l'abandonner parce que c'est OK. Ça m'a nourri. Ça m'a nourri en profondeur. Ça m'a permis de vivre un chemin, exactement comme une relation. On rencontre quelqu'un, on vit quelque chose de merveilleux et à un moment donné, ça s'arrête pour quelle que soit la raison. Eh bien, il y a vraiment une notion de chemin qui est là. Il y a une réelle notion de chemin et d'accepter de lâcher la main de ce qui était un repère avant, lâcher la main de ce qui était important pour moi avant, lâcher la main de ce qui était vrai pour moi avant. Et en fait, c'est vraiment ça que je propose au-delà de comprendre comment tu fonctionnes, quelle est ta vérité personnelle, au-delà de cette notion de conscience, d'être consciente de toi. Je te propose aussi que lorsqu'il est nécessaire, abandonne. Abandonne les parts de toi qui ne sont plus nécessaires. Abandonne aussi les relations qui étaient reliées à ces parts-là parce que tu n'en as plus besoin. Et là, je suis vraiment en train de toucher une notion de peur de ne plus trouver quelque chose à me mettre sous la dent, et non de ne plus trouver une forme de Ah mince. Alors attendez, j'ai un petit problème de son. Vous m'entendez? J'espère que oui. Et donc de ne plus trouver de quoi me nourrir. Ouais, c'est ça. De ne plus trouver de quoi des choix, des actions, des paroles, des relations, des êtres, des situations qui correspondent à mes besoins. Et donc c'est une peur de l'inconnu, c'est une peur de lâcher la main de papa, maman. Pour revenir à la thématique du soir. Et c'est ça qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Et donc, ce soir, on est vraiment sur l'énergie d'un groupe qui, soit ne veut pas lâcher la main, enfin, ne lâche pas la main. C'est « je veux un repère ». Et ce repère me permet de voir que j'ai du talent. Sauf que si ce repère devient toxique, comment tu fais? Tu as mangé du pain toute ta vie et tu viens intolérant au gluten. Eh ben, mange plus de pain. Sauf qu'il y a tous les souvenirs qui te rattachent. Sauf qu'il y a tout le côté « Ah ben, c'est ma maman qui me faisait du pain quand j'étais petit et que ça sentait le pain tout chaud lorsque je rentrais de l'école à 5h30. » Et donc, c'est là où on voit qu'il y a un attachement émotionnel à nos actions, il y a un attachement émotionnel à nos décisions, un attachement émotionnel à nos relations, et qu'on fait pas ça pour nous, mais pour conserver ce souvenir intact. Et bien, je suis content, Ophélie. Ophélie me dit, je t'écoute. Donc, pas par hasard en cet instant, merci, ben, avec plaisir, parce que c'est pour ça que je fais tout ça. C'est aussi pour ça que je fais tout ça. Parce que parmi tout le fatras de choses que je peux dire, il y a bien une petite partie qui va parler, qui va vibrer en toi. Et donc, prends cette chose et fais-en quelque chose. Parce que c'est ça, c'est là vraiment le point important. À partir du moment où tu as conscience, ta conscience de ce qui est vrai et faux pour toi, de ce qui était vrai et ce qui ne l'est plus, que tu as conscience de qui tu es, de ta manière unique d'être humain dans cet instant. À partir du moment où tu arrives à lâcher la main de ce qui te nourrissait à l'intérieur avant, de ce qui était épanouissant pour toi avant et qui ne l'est plus maintenant, et donc que tu admets qu'il y ait peut-être d'autres opportunités qui peuvent s'ouvrir à toi. Des opportunités soit que tu n'avais pas vues, parce que même ta structure inconsciente disait non, jamais je ne lui ferai connecter cette idée, ou alors que tu des opportunités ou des idées que tu avais envisagées, mais que tu n'avais jamais mis en mouvement dans ta vie parce que trop compliqué émotionnellement parlant. Et là, j'ai un grand blanc.
À partir de là, tu vois, à partir du moment où tu es capable d'envisager ce qui était inenvisageable pour toi, n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à te prendre la main, en fait. Qu'à te sécuriser comme papa, comme maman. À te sécuriser comme tout père et toute mère le devrait. Et il n'y a plus qu'à créer un cadre qui est simultanément, j'ai envie de dire, portant, qui est suffisamment sécurisant pour toi et pour l'enfant en toi, pour le nourrisson en toi, et simultanément un cadre libre qui est assez d'espace, qui y a assez d'espace dans ce cadre pour que tu puisses expérimenter. Et il est juste question de ça. Et je ne te dis pas que c'est facile. Je te dis juste ce qu'il y a. Je te dis juste ce qui se passe maintenant. Et rien n'est plus comme avant. Te sécurise maintenant, ou plutôt il y a 5 minutes, ou il y a une semaine, ne se sécurise plus. Eh bien, ok, en fait, on vit tous ça. C'est pour ça qu'il y a la majorité des gens qui préfèrent mener une vie sécurisante, trop sécurisante, beaucoup trop sécurisée. C'est la Maison Blanche, tu vois. C'est juste la Maison Blanche. On ne peut pas y rentrer. Leur vie est trop sécurisée. Un emploi stable, une famille, des amis, tout est tellement bien cadré que ça en devient enfermant. Salut à toi, Mariella. Et tout l'objectif, ce n'est pas non plus de ne pas se sécuriser, parce que c'est important, mais en même temps, avoir la capacité de se sécuriser soi-même, ouais. Avoir la capacité à se cadrer soi-même, oui. Mais. Ah oui, voilà, c'était là où je voulais en venir. Parfois, ça revient, les informations. C'est nawak. Que disais-je? Ah oui. Eh ben non. C'est fou, ça s'en va et ça revient. J'aimerais bien revoir l'information, s'il te plaît. Alors. À trop se cadrer, on finit par plus respirer. Ah non, voilà. Donc, c'est totalement OK de se sentir totalement en panique, de ne plus avoir de repères. Et c'est flippant. C'est totalement flippant de ne pas avoir un seul repère viable, d'avoir une idée. Et cette idée, c'est génial. Ça te dit, ah, enfin, j'ai trouvé quelque chose qui me rassure, qui me fait me sentir stable. Et le lendemain, tu peux jeter ça à la poubelle. That's life. Et c'est une véritable panique que je suis en train de ressentir là. C'est une véritable panique de percevoir que rien ne peut réellement me rassurer. Rien ne peut réellement te rassurer. Rien ne peut réellement nous rassurer. Tout est impermanent, en gros. Et il est question, c'est pas une question de dire, ah oui, tout est impermanent et de mettre ça loin au niveau mental, mais c'est de vivre cette impermanence. De vivre ce côté, je flippe de mettre un pied devant l'autre et de créer du mouvement dans ma vie à partir de quelque chose parce que je ne suis pas sûr du résultat. Parce que je ne suis pas sûr que ça va me nourrir. Parce que je ne suis pas sûr que si je vais pouvoir me nourrir autant symboliquement. Effectivement, c'est de la panique. Et que cette action. Et que est-ce que je vais pouvoir me nourrir à l'intérieur? Est-ce que ça va être épanouissant pour moi à l'intérieur? Ou et est-ce que cette action va réussir à me nourrir extérieurement parlant, à travers soit mes relations, soit si c'est par rapport à une situation professionnelle, est-ce que je vais arriver à dégager des revenus de tout ça? Je sais pas, mais c'est comme ça qu'on grandit. Et ça, c'est l'info du silence. Et donc, voilà. Pourquoi j'ai dit que ça vient du silence? Pour ceux qui ne sauraient pas, en gros, depuis que j'ai eu une ouverture de perception en 2014,
J'ai connecté un silence profond, un silence qui est au-delà des mots. Ce n'est pas un silence genre silence radio et on ne dit rien. C'est un silence derrière les mots, c'est un silence derrière qui sous-tend la matière, c'est un silence, c'est le silence entre chaque note de musique, c'est le silence entre chaque syllabe, entre chaque son, entre chaque pensée. Et même tout autour de chaque pensée, tout autour de mon corps, il n'y a que du silence. Et c'est de ces silences que je tire l'information, sachant que j'ai beaucoup de monologues avec le silence. Donc en fait, c'est des moments où je m'immerge dans la conscience du silence. En général, je fais ça le matin. Je m'immerge totalement dans la conscience du silence et bah, ça m'enseigne. Et au cours de la journée, bah, j'ai plein de monologues avec ce silence. Et pourquoi je dis monologue? Parce que c'est une... comme un arrière-plan, c'est comme si je vous disais le moi supérieur, mais je ne vois pas ça comme un moi, enfin, ce n'est pas un truc supérieur, c'est vraiment du silence. C'est une part de moi tellement vaste qu'elle est juste pur silence, informe, pur silence, impersonnel, enfin, je ne sais pas trop comment exprimer ça, mais et donc c'est de ça que je tire plein d'informations. Et lorsque vous me voyez tourner la tête, parler tout seul, c'est qu'il y a un monologue qui s'opère avec ça. Effectivement, donc pour revenir à ce, au sujet principal, effectivement, Ophélie, il y a la notion de foi qui est une des grosses clés. Il y a une véritable notion de foi qui est là. Qu'est-ce qu'on dit sur la foi du coup? Que la foi peut bouger des montagnes, oui, ça c'est un peu ce qu'on dit. La foi, c'est l'abandon à ce qui est, l'abandon à cette panique, de vivre, parce que c'est comme ça, en fait, des informations qui sont là, bah, c'est comme ça qu'on grandit. C'est en acceptant que oui, je suis en panique, parce que je n'ai pas ce repère que j'attends tellement, et que je suis tellement dans une attente, d'être rassuré par quelque chose, d'être pris dans les bras par cette maman symbolique, que j'ai peur lorsqu'il n'y a plus cet état. Et en fait, là, ce que ça me dit, c'est que c'est vraiment une nécessité de passer par là. Parce qu'il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas de truc qui va venir me sauver de ce truc-là. Parce qu'il n'y a rien à sauver. Parce que même cette panique, c'est moi. Parce que même la foi dont parlait Ophélie, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Arrêtons de voir qu'il y a une séparation entre ce principe du moi et certaines choses. Quand c'est positif, ah, c'est moi. Ce silence, je suis le silence, évidemment. Je suis la paix, je suis la joie, je suis l'abondance, je suis l'amour. Par contre, dès que c'est négatif, par contre, ah non, il faut que ça se transforme, il faut que ça se transmute, transmute. Et non, en fait, non. Ce sont les avantages. Ce sont de se décréter uni à la vie, uni à soi. Lorsque ça nous arrange et séparer lorsque ça nous arrange plus. Cessons ces enfantillages. Tu es ce que tu perçois. Tu es totalement ce que tu perçois. Et il y a une forme de douceur oui c'est difficile mais il y a une douceur d'être à la place où on doit être lorsqu'on accepte cet état Elena oui c'est comme un état méditatif c'est pas moi qui médite. Je ne suis pas en train de méditer, je suis en train de vous parler. Sauf que, alors dit autrement, si je reformule cette notion de silence,
C'est le cerveau, c'est une antenne qui capte l'intelligence de l'univers. Donc, qui capte Google, si tu veux. Qui capte Internet, pour être un peu plus neutre. J'en ai marre de Google. Et donc, à partir de là, bah, je tape dans mon moteur de recherche préféré la question et j'ai la réponse qui vient. Et cette réponse, ça peut soit venir en pensée, ça peut soit venir en émotion, ça peut venir en situation, donc sous forme de matière, ça peut venir en rêve, sous forme symbolique. Quelqu'un vient et me parle, et ben ce sera l'information. En fait, toute la vie est une information qui vient de soi et qui part de soi et qui nous revient. Donc, ce n'est pas forcément un état méditatif, c'est un espace de silence complet, total, absolu. Parce qu'en fait, le silence, après 8 ans, 7 ans, 7 ans et demi de monologue avec le silence en tout genre, je peux dire ça, le silence, c'est. C'est pour ça qu'il est silencieux. Ah, Ophélie, ça m'intéresserait de parler avec toi du coup, si tu as le même rapport avec le silence. Alors, Patricia nous dit, il y a aussi la fatigue d'être responsable. Mais en fait, alors, responsable de quoi? Responsable ou coupable? Parce que ce n'est pas la même chose, Patricia. Il y a vraiment une différence totale. Il y a une grande différence entre dire, je suis responsable de ce qui vient de la situation. Mais être responsable, ça ne veut pas dire se fouetter jusqu'au sang. Ça veut juste dire que tu es responsable. Donc, être responsable, si on va voir la définition. Alors, c'est quoi la définition d'être responsable? Alors, comme on le dit, ça veut dire tu l'as choisi. Quand on dit je l'ai choisi, ou tu l'as choisi, ou tu t'as posé l'intention, ou peu importe notre formulation, ça ne veut pas dire que c'est moi consciemment, ça ne veut pas dire que c'est toi consciemment. C'est des choses qui nous échappent totalement au niveau conscient, mais qui sont quand même présents en nous. Ce sont des forces qui sont quand même présentes en nous. La responsabilité qu'on a, c'est de prendre conscience des choses. À partir du moment où on prend conscience des choses, soit par la thérapie, enfin, pas à la fois par la thérapie énergétique, tout ce que vous voulez, mais aussi par la vie quotidienne, les gens, parce que, encore une fois, la totalité du monde nous renvoie. Chaque situation que l'on vit nous renvoie qui on est, nous font un miroir, font le reflet dans le miroir, font notre reflet dans le miroir. À partir de ce moment-là, il ne s'agit pas de dire je suis responsable au niveau mental, il s'agit de voir comment ça te touche en toi. Et là, tu iras toucher ta responsabilité. Parce que peut-être que tu n'envisages pas certaines situations parce que tu as peur de vivre. D'être heureuse, de sentir le bonheur en toi, parce que dans ton schéma, dans un schéma inconscient qui viendrait de je ne sais pas qui dans ta famille, eh ben, tu n'aurais pas le droit de vivre le bonheur. Parce que tu n'as jamais eu l'exemple d'une femme qui a. Dans des modèles féminins, autour de toi, il n'y avait aucune qui transpirait le bonheur. Et donc que tu as mimé. Et de manière automatique, parce que tu étais trop petite ou trop petit. Mais c'est ta responsabilité. Et la responsabilité, ce n'est pas être coupable. Être coupable, c'est. Alors, la responsabilité, je reformule. Être responsable, c'est je découvre quelque chose de moi, je prends conscience que je ne veux pas être heureux dans ma vie. Et je dis, bon, maintenant que j'en ai conscience, après avoir vécu la digestion de cette information et de ses conséquences dans ma vie, eh ben, je choisis autre chose. Et si je décidais. D'être heureux. Enfin, je vous balance un exemple un peu bidon. Être coupable, c'est la même situation. Je découvre que je ne veux pas être heureux dans ma vie. Je prends cette information, je n'en fais strictement rien au niveau de mes choix et de mes actions et de mon attitude et de ma vie de manière générale. Je transforme cette information en fouet et je me flagelle avec. Je dis, ah, je suis horrible, je suis une horrible personne, je n'arrive pas à dire que je n'arrive pas à être heureux, à choisir le bonheur dans ma vie.
En gros, voilà qu'il en est là maintenant concernant la différence entre la responsabilité et la culpabilité. Bon? Avec ça, on est tout bon? Aurélie, si tu veux me poser une question, viens en direct. Bah oui. Je réponds pas. Je me suis mis sur Zoom. C'est pas que pour que tu me poses ta question sur le chat. Ce serait dommage de nous priver d'une interaction. Donc, allez, je t'en prie. Je te file le lien. Alors, il est où le lien? Il est là. Copier. Viens ici. Allez. Petite question. Bah, si tu veux, hein. Si tu veux pas, j'arrête là. Il n'y a plus personne. Tout à l'heure, je fais un monologue. Presque un monologue, vous me répondez quand même, vous êtes sympa. Ophélie, 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 Ophélie. Ophélie, 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 Ophélie. Allez, Ophélie. Ça va aider tout le monde en plus. Il n'y a pas du tout de pression sociale, par contre. Hein. C'est OK. Ben, Ophélie, elle applique le silence, effectivement. Non, elle est là. Allez, j'accueille Ophélie. Elle n'a pas encore son micro. Elle est sûrement en train d'activer son micro. Allô? Allô, allô? Bonsoir. Ça va? Oui, très bien. Ah, je t'ai fait venir quand même, c'est cool. Ok, au tableau. Wow, ça va. Et attends, il n'y a que la voix et t'as même pas d'avatar, donc ça va. C'est vrai. C'est tranquille. Bon, allez. Oui, j'ai pris un cours, mais ce que tu me disais, oui, ça résonnait fort fort en moi, oui, c'est sûr que. Alors, du coup, c'est quoi ton expérience et c'est quoi ta question? Mon expérience. Bah, tu m'as dit Alors. un truc vis-à-vis du silence. Attends, je remonte le. Il y a trop de Oui. bruit autour de moi en ce moment qui me comble de ce J'ai silence nourrissant. Vas-y, explique, des exprime. réalisations, effectivement, aussi dans le silence, mais moi, vite fait, j'ai eu une expérience, je sais pas comment décrire ça, mais en église, en fait. C'est passé en église où j'ai vraiment eu à un moment donné l'impression de recevoir quelque chose qui m'a profondément traversée, bouleversée, et comment dire. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si j'avais eu des compréhensions de choses que je peux pas forcément toujours verbaliser. Et j'ai commencé depuis toute petite, hein, je me réfugie beaucoup dans la prière et encore plus maintenant. Et c'est vrai que j'ai des réalisations en silence. Alors, je fais des fois des méditations, hein, mais lorsque j'ai des choses à comprendre, c'est en silence que ça se passe. Oui. Ok. Et du coup, tu me disais qu'en ce moment, tu es coupé de ce silence. Ah ben, en ce moment, c'est moi, chez moi, entre les enfants, mari malade, machin. Je suis pas au silence. Et du coup, ma tête, elle est en surchauffe. Et ça me rend très triste d'ailleurs. Alors, silence. Donc, comme je le disais, cette nature silencieuse, elle est partout présente, Oui. tout le temps. C'est plus une histoire de conscience de soi, donc de conscience que ce silence est partout présent, plus que essayer de te battre pour faire partir les autres pour qu'il n'y ait plus de bruit et que toi tu puisses te replonger dans le silence. Derrière, par rapport à ce silence,
ça me parle plus de est-ce que tu es capable de poser ton territoire et tes besoins de vivre les choses pour toi. De plus en plus. J'ai eu beaucoup de mal jusqu'à aujourd'hui. Mais on sait plus sur ce genre de considération pour toi. Mmh. C'est ta capacité à vivre des moments avec toi. Ouais, à vivre des moments avec toi sans avoir à te justifier. Tiens, il y a une question de justification. Sans avoir à te justifier vis-à-vis des tiens. Vis-à-vis du groupe. D'accord. Tu as l'impression de devoir te. Voilà, il y a une sensation de devoir te battre. Enfin, c'est comme si tu tirais à la corde, tu vois, tu fais comme ça. Mmh. Tu tires à la corde pour avoir un peu de temps pour toi. Tu tires à la corde pour pouvoir souffler. Ouais. Et que. Alors, c'est quoi ça? Là, je suis en train de toucher une énergie et je demande au silence qu'est-ce que c'est. La trahison, ok. Il y a une notion de trahison, de ne pas pouvoir être pleinement toi sans trahir les tiens, sans trahir les besoins que tu perçois chez les personnes qui t'entourent, donc peut-être tes enfants, ton mari ou autre. C'est vrai, absolument vrai. Après, c'est la notion de sacrifice. Ouais, tout à fait, une notion de sacrifice. Et exactement comme tu ne peux pas couper un silence en deux, si tu prends l'espace de la pièce dans laquelle tu es, tu ne peux pas la couper en deux. Mmh. Tu ne peux pas couper l'air. Eh bien, tu ne peux pas couper tes besoins. Un besoin est un et entier. Et il est réellement nécessaire que tu le trouves en espace. Mmh. Alors, c'est marrant parce que... Oui. Vas-y, je t'en prie. C'est un peu comme si c'était le prochain objectif de ma vie. d'avoir cet espace pour moi. J'ai vraiment besoin de ça et c'est presque vital. Ah bah j'aide les gens à se rebrancher sur leurs priorités, leurs besoins cachés et leurs buts inconscients. Donc, c'est peut-être normal, tu vois. Donc, créer de l'espace avant de péter un câble, si possible. Avant de péter un câble. Je dois le dire, c'est important, mais avant de péter un câble. Ouais, ouais. Donc, avant de faire monter la pression, de retenir. Y a une notion de mise à l'extérieur. Là, je suis en train de toucher une énergie, c'est quoi ? Ouais, c'est vraiment, il y a une notion de mise à l'extérieur, de... En fait, tous ces besoins qui jaillissent, qui semblent commencer à jaillir, il y a quelque chose derrière. Et c'est ce quelque chose que tu... tardes à montrer, que tu ne veux pas trop montrer. C'est-à-dire que c'est sur le plan inconscient ? Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. C'est inconscient ? Qu'est-ce que le besoin que je tarde à montrer ? Bah, ce n'est pas un besoin, justement, c'est autre chose. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ouais, parce que là, donc, dans les différentes strates de ta structure, je perçois vraiment plein de besoins. Plus important, moins important, nourrissant, moins nourrissant, qui sont là. Et que il va falloir que tu lâches le couvert de la cocotte minute pour qu'il y ait moins de pression sur tes épaules. Mmh. Et donc, déjà, peut-être la répartition des tâches soit plus équitable, déjà, dans ta vie, la répartition des rôles, le côté responsabilité ne soit pas juste sur tes épaules, parce que tu n'es pas juste une mère, tu es aussi, tu es avant tout un être humain et une femme. Et ce que j'étais en train de toucher derrière, c'est une énergie de vide. Ok, alors c'est quoi cette énergie de vide? C'est silence, tiens. Rebonjour. Donc derrière tes besoins, il y a bien ce silence là. Donc donc on retombe bien sur nos pattes. Donc si je résume, tu veux accéder au silence, va vers tes besoins. C'est en passant par la porte de tes besoins que tu vas arriver à toucher du doigt le silence. Et ce n'est pas un silence, du coup, qui est, comment je pourrais dire ça, qui est en opposition avec le bruit qu'il pourrait y avoir autour de toi. D'accord. Alors, mes besoins. Donc, tu veux accéder au silence, va vers la porte, ouvre la porte de tes besoins et traverse le chemin de tes besoins.
Parce que là, tu es positionné sur toi. Ouais. Déjà, rien que ça, c'est génial. Mmh. Oui, oui, oui. Oui, mais après, je suis enfin. Oui, c'est un peu une période aussi où il se passe beaucoup de choses et ah ouais, je fasse un peu le ménage. Et il se passe beaucoup de choses dans... chez tout le monde, t'inquiète pas. Ouais. C'est mais c'est oui, il se passe beaucoup de choses, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est la bonne place. Mm-hmm. Et c'est pas un truc que je dis pour rassurer en disant tout est juste de manière un peu perchée. C'est je vais spécifier, c'est être à ces endroits de nous, se positionner au centre de la croix. Mmh. Donc c'est-à-dire là où ça fait mal, là où c'est pas confort, là où, bref, chose positive, négative, mais souvent négative, ça nous permet de grandir en maturité. Ça nous permet de nous prendre la main là où on a besoin de se prendre la main pour s'accompagner. Et ça permet de lâcher la main de choses qui ne sont plus utiles en nous. Ouais. Voilà pourquoi c'est la place juste. Donc, ça revient, mais avant de péter un câble, hein, Ophélie. Mmh. Avant de péter un câble et de tout envoyer valser, de devoir partir en retraite en Mongolie ou je ne sais pas quoi. Marrant que tu dis ça, mais oui. T'as des besoins d'évasion, okay, on est d'accord sur ça, t'as des besoins d'évasion. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, ce que je vais dire, ça ne veut pas dire ne vis rien et reste chez toi et vis tout intérieurement. Mais toute chose qu'on pose de manière extérieure, ça veut souvent dire qu'on ne l'a pas encore intégré à l'intérieur. Mais c'est bien pour ça qu'on le crée à l'extérieur. Ces besoins d'évasion ou de voyage que tu as, c'est parce que ce besoin d'espace, de grand espace, c'est parce que tu n'arrives pas à créer de l'espace en toi, parce que tu te laisses submerger, parce que pour toi, tu es la mère porteuse ou la nourricière, et tu dois tout porter, les besoins de ta famille. Mais sauf que non. Bah, aujourd'hui, c'est comme ça, parce que voilà, avec des enfants... Je ne te dis pas de les abandonner, mais en fait, je te spécifie le truc. Être mère ne te dispense pas. J'aime bien ce mot dispenser, ça me rappelle le collège. C'est Samuel. Non, ne vous dispense pas de... Mais en fait, ça ne te dispense pas d'être un être humain et d'être une femme et d'avoir besoin des besoins individuels. Mm-hmm. Mais c'est vrai, j'en ai conscience de ça, de ce que tu dis, hein, je sais. Mais c'est un peu comme si, effectivement, je me mettais un peu à côté en me disant ça va venir, en fait. Ça va venir après. Oui et non. Après les deux, ça, c'est ce qu'il appelle mettre un couvercle. Ouais. C'est pour ça que ça fait deux fois que ça me vient, mais en fait, avant de péter un câble. Mm-hmm. Donc, crée-toi des... rentrer dans la dynamique de centrer sur toi et d'aller vers ses besoins d'espace, autant extérieurement qu'intérieurement, parce que tout est OK. Oui. Quand tu les vives intérieurement et ou extérieurement, ça ne veut pas dire aller dans un absolutisme plutôt. Mm-hmm. Ça veut juste dire, même à 1%, même à 0,00001%, commencer, faire un pas, même si c'est un millimètre. J'y travaille, mais je suis profondément convaincue que ça viendra avec le temps. Mais quand je dis le temps, c'est pas 15 ans. D'ici l'année prochaine, je sais qu'il va se passer des choses qui vont me laisser de l'espace. Okay. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, mon positionnement maintenant, du coup, effectivement, c'est un peu essoufflant, mais je sais que c'est pas... Ouais. C'est pas juste. Essaye d'avoir des soupapes de sécurité. Ouais. Mmh. C'est-à-dire OK, derrière, tu cherches ta valeur, c'est ça. Derrière ce côté, j'ai conscience, mais en ce moment, je suis là-dedans. J'entreprends les choses, mais je sais que ça va venir. Il y a un côté, tu essayes de capter ta propre valeur. Ouais. Tu essayes, en restant dans ce positionnement-là, tu tentes de prendre comme si ta valeur c'était un objet et que tu voulais vraiment toucher cet objet, en sentir la texture, la lourdeur, etc., etc. Mais ta valeur, elle peut se poser ailleurs. Parce qu'en fait, tout ça, c'est un repère fictif. Quand on dit ma valeur, c'est d'être mère, ben, en fait, c'est une valeur que
l'investissement que tu mets, c'est toi qui l'as choisi. Parce que quand tu vas voir la totalité des expériences de mer qui puissent exister dans le monde, en fait, il y a tous les investissements qui existent, tous les degrés d'investissement qui existent. Bien sûr, ouais. Il y a des mers qui sont totalement irresponsables, il y a des mers qui sont surprotectrices. Et en fait, c'est où est-ce que tu places le curseur ? C'est vraiment un côté... est-ce que tu te laisses... Il y a un côté... il y a un côté extatique à ce... Le fait dans tes relations, de poser l'énergie du sacrifice. Et chez toi, c'est le sacrifice de l'animal sauvage, de l'animal, pourquoi sauvage ? L'humain est tout aussi sauvage. de l'animal qui se jette en pâture à... exactement, c'est comme la pieuvre. Tu vois, tu sais comment elle donne naissance, la pieuvre ? Je ne connais pas l'histoire. Non, ouais. En gros, d'ailleurs, c'est un documentaire Netflix que je vous conseille, s'appelle Le Sagesse de la Pieuvre. Voilà. Oui, oui, exact. Oui, j'adorais. Pour protéger ses enfants, elle les expulse dans une cavité rocheuse où il n'y a rien. Son corps fait office de bouchon. Et à la naissance, les enfants mangent la maman pour sortir. C'est l'ultime sacrifice. Ouais, et tu poses ça comme énergie. Ouais, c'est dingue, c'est vrai. Quelque part, ouais, je comprends. Et c'est vital, quoi. Oui, les enfants. Enfin, ouais. On ne sent pas que ce soit autrement. Ouais. Mais et c'est pour ça que, en fait, je mise aussi sur le fait que les enfants grandissent, qu'à un moment donné, j'aurai plus d'espace. Alors, c'est là où je te fais un peu du tac au tac, hein, mais c'est vrai. Ton cas est très intéressant, mais il y a deux formes d'éducation. L'éducation consciente, donc tout ce que tu vas dire à tes enfants, et il y a l'éducation inconsciente, tout ce que les enfants vont voir de toi. Et ça en fait partie. Ouais. Et le truc, c'est que si tu attends que le temps, donc un facteur extérieur à toi, ou quelqu'un, ou une situation, ou les extraterrestres, ou tout ce que tu veux, ou tes enfants, grandissent, donc un facteur extérieur vienne et te permette toi de, comment je pourrais dire, de ne plus être en mode sacrifice, mais être en mode je m'épanouis personnellement, et oui, je m'occupe aussi des autres quand c'est nécessaire. Ouais. Mais c'est là où tu fais porter une pression quand même, hein, j'ai envie de te dire. J'ai quand même, me semble quand même tendre vers ça. Avec le temps, j'arrive à trouver quand même cet équilibre de plus en plus. L'essentiel, c'est comment tu le fais. Est-ce que tu... En fait, c'est si tu attends que ça vienne de l'extérieur, c'est là où tu es sur une notion où tu fais porter la responsabilité aux autres. Fait, si par contre, tu es là dans un positionnement, on va dire, où tu es... je m'occupe de mes enfants parce que c'est important pour moi, évidemment. Personne ne te dira le contraire, on est d'accord. Mais il y a aussi moi, et ce moi a besoin d'espace. Et c'est comment concrètement dans ta vie aujourd'hui tu mets en place cette énergie-là que tu sens venir. Ouais. Et comment tu joues avec, comment tu dis, au lieu que t'attendre que ça arrive, comment toi tu devances les choses en quelque sorte, hein. Et que tu viens et tu joues un peu, tu prends une partie de cette pâte à modeler parce que tu ne peux pas la prendre tout entière pour le moment, parce que tu as d'autres priorités, comme tu nous l'as dit. Et tu joues avec et tu la mets en forme dans ta vie. D'accord. Après, il y a eu un énorme travail de fait. Hein. Tu verrais la manière dont j'ai élevé mon fils aîné et ma dernière. Là, j'ai 3 enfants. Ouais. Mais c'est un truc de fou. Hein. Mon fils, j'en ai fait un anxieux, hein, entre guillemets. Hein, mais j'étais tout le temps derrière lui, et je vois ma dernière, c'est plutôt allez, va, fais ta vie, et débrouillarde au possible. Ouais. Et quand il y a des informations qui passent, ça ne veut pas dire que tu n'y es pas. Je précise toujours ça, parce que ça ne veut pas dire « Ah, mais regarde ce que tu n'arrives pas à faire », c'est justement tu es déjà branché dessus. Mm-hmm. Et je fais en sorte, je t'aide au maximum à être beaucoup plus consciente des énergies en toi, de ce qui se passe en toi. Donc ça veut juste dire, je fais le constat, je suis un diagnosticien, pas plus. Oui,
C'est ce que tu as, les travaux que tu as déjà fait dans la maison, ils sont notifiés, ils sont inclus dans le diagnostic, tu vois. Oui. Ouais. Ouais, voilà. Donc, en fait, pour revenir à l'information clé par rapport au silence, c'est par le biais de tes besoins personnels que tu vas toucher du doigt ce silence, c'est-à-dire cet espace que tu cherches. D'accord. Et il y aura plus de dichotomie entre je dois être seul pour être dans ce silence. Oui. Et si je suis avec les autres, il n'y a plus ce silence. Ouais. Voilà ce que je peux dire pour toi, Ophélie. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et ben merci d'être passé. C'était oui. Cool. Et n'hésite pas à revenir la prochaine fois. Oula, oui, avec plaisir. J'ai plein de questions. Je reviendrai. Okay. Bon, bah, bonne soirée à toi. Merci. Et à la prochaine. À toi. Salut. À bientôt. Au revoir. OK. Bah, c'était une super soirée. Je me disais, il manquait quelque chose. Il manquait la cerise sur le gâteau. Très intéressant parce qu'on a vu le point de vue des enfants jusqu'à présent et avec Ophélie, on a vu le point de vue de la maman. Qui est très intéressant. Ça me challenge à mort, si vous saviez, les amis. Ça me challenge. Ah oui, parce que le rapport à la mère en ce moment, je suis dessus. À 100%. Comme le coq. Les deux pieds dans la bouse. Bon, alors la semaine prochaine, on sera encore sur cartographie de l'inconscient. Merci à toutes et à tous, donc toutes les personnes qui ont posé leurs questions, Mélanie, Ophélie, Cédric, etc., etc., etc. Toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin, donc Elena, Lauriane. Cédric, Patricia, tous vos commentaires, je les vois, je les note, je les exprime. Si vous êtes intéressé, il y a un atelier collectif chirurgie informationnelle dimanche soir de 19h30 à 20h30, ça coûte 20 euros. C'est un atelier d'une heure avec de la musique douce et enveloppante derrière. Et moi, j'ai créé une méthode qui sert à rendre conscient des énergies en les rebranchant directement à votre corps physique. Donc, en gros, je me branche sur le groupe et je fais en sorte que chacun des membres du groupe et le groupe dans son entier, et l'égrégore groupe dans son entier, les énergies du groupe dans son entièreté, soient connectés au flux d'informations, donc aux énergies qui étaient inconscientes, et le faire passer au niveau du conscient. Et donc, le foie a sa propre structure. Je fais en sorte que le foie soit rebranché selon la thématique. Donc, comment se passe le... je vais trop vite, je crois. Faut que je me calme. Besoin personnel, il faut que je me calme, que j'apprenne à respirer. Donc, chaque organe, donc le cœur, le foie, l'intestin, le cerveau, etc., etc., le diaphragme, le squelette, les nerfs, tout est branché à un flux d'informations. Et pendant ce soin, je fais en sorte que chaque organe, en lien avec chaque partie du corps, en lien avec la thématique qui est posée, en fait, soit rebranché sur la bonne énergie, soit rebranché sur le bon flux d'informations et de rendre conscient des informations, donc besoins, priorités du moment, etc., comme je le fais maintenant. Sauf que là, je passe essentiellement par les énergies, donc ça m'économise pas mal de mots, parce que tout se passe en interaction directe avec le corps du groupe ou de la personne, parce que je fais aussi des soins individuels, des séances individuelles là-dedans. Donc, au départ de la chirurgie informationnelle collective, chacun pose une question ou expose sa situation. Moi, je prends tout ça dans ma besace et c'est à partir de cette intention d'aller rebrancher les bonnes énergies que je rebranche chacun des membres du groupe. Et après, pour ne pas vous laisser perdu dans la nature, je vous formule des clés de résolution. Donc là, je verbalise à votre conscient, à votre mental, qu'est-ce qui a bougé et qu'est-ce que vous pouvez poser dans votre vie pour faire bouger tout ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment être les doigts de pied en éventail, et de ne rien faire. Donc c'est un soin qui coûte 20 euros. Si ça vous intéresse de vous faire suivre, je propose une séance d'une heure à 1h30 qui coûte 90 euros. Sinon, de mémoire, je propose aussi
un pack de 3 séances, donc qui se passe une séance tous les 10 jours environ. Ça permet de travailler sur une thématique ou plusieurs thématiques sur la durée, toujours en passant par le corps, parce que c'est la chirurgie informationnelle. D'ailleurs, je vais mettre ce soir ou demain sur ma chaîne YouTube le témoignage d'une personne que j'ai suivie durant un mois environ, parce que c'était 3 fois, une fois tous les 10 jours. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir participé. Je vous dis à la semaine prochaine. Enfin, à dimanche pour ceux qui seront là. À la semaine prochaine pour les autres. Et portez-vous bien.